Alors aujourd'hui, nous avons organisé sur la médiathèque de Vitrolles un forum service civique. C'est une des missions qui nous est confiée par les services de l'État de développer le service civique sur le département. Et donc nous travaillons avec les structures d'accueil et avec les jeunes pour développer le dispositif sur l'ensemble du département. Et donc on est soucieux de ne pas faire ça que dans nos locaux à Marseille, mais bien de couvrir les zones géographiques là où sont les jeunes et donc d'aller vers eux. L'idée, c'est de mettre en relation des structures, surtout des associations, mais aussi des collectivités, puisqu'on a par exemple le conseil départemental qui est présent dans les locaux, mais surtout des associations qui recrutent des services civiques et des jeunes qui sont en recherche de missions. Donc les services civiques, c'est des missions de bénévolat, des missions d'intérêt général. Qui sont ouvertes à des jeunes de 16 ans jusqu'à 25 ans révolus, donc jusqu'au 26e anniversaire. Et ce n'est pas des missions salariées, en fait, c'est des missions de volontariat, et pour lesquelles il n'y a besoin ni d'expérience professionnelle, ni de diplôme. Donc ce qui compte, c'est surtout la motivation du jeune, et ça permet aux jeunes voilà, de s'investir dans des missions d'intérêt général, au service de la collectivité notamment. Donc c'est des missions qui sont la plupart du temps très gratifiantes. C'est l'opportunité de recruter, d'accueillir, de rencontrer des jeunes qui veulent s'orienter sur une mission de service civique. J'étais là aujourd'hui dans le but de trouver une mission civique pour m'orienter plus tard en fait, parce que je suis en réorientation et je cherche ma voie. Je trouve que ça a beaucoup de valeur le travail qu'on fait, surtout au CRIJ, parce que c'est une centre pour les jeunes et on travaille vraiment pour le bien des jeunes. Et moi, je trouve ça très important. Et donc, je suis contente quand je vais au travail. Mais c'est aussi pour les jeunes un tremplin souvent pour mieux définir son projet professionnel, par exemple. Où on a beaucoup de jeunes à l'issue d'un service civique qui reprennent des formations, par exemple. Et du coup, un jeune qui ne sait pas trop quoi faire, qui a arrêté sa scolarité, qui cherche du travail, qui n'en trouve pas, souvent, pouvoir faire un service civique de 6 mois à 1 an, c'est une opportunité pour lui de s'engager, mais aussi pour son avenir professionnel.